j'espère qu'on tu es un pourrir. Cadeau de la déesse en personne. Et par les moires, elle a bien choisi. Tu me fais rougir, étrangère. Et je pourrais faire beaucoup plus. J'ignore à quoi tu penses, mais tu sais à coup sûr te battre. Je suis une prêtresse de l'amour, mais je sais mordre aussi. Et j'aime mordre. Il faut de l'audace pour attaquer une prêtresse. Tu dois être importante. Je suis Diona, une simple acolyte née pour servir Aphrodite. Ceux-là sont des chiens du culte de Cosmos. Ce n'est pas la première fois qu'on attend à ma vie. Le culte ? Dis-moi ce que tu sais. Vite. Pas ici. Nous serons plus en sûreté en ville. Tu m'escortes ? Allons-y. À notre arrivée, tu pourras me dire tout ce que tu sais sur le culte. Je suis en sûreté ici. Le culte de Cosmos n'oserait jamais frapper en ville. Bien. Dis-moi ce que tu sais. Tout de suite. Laisse-moi au moins reprendre mon souffle et prendre le temps d'admirer ta divine silhouette. Assez bavardé. Dis-moi ce que tu sais sur le culte de Cosmos. Si tu insistes, nous avons toujours surveillé le culte. Mais depuis peu, il s'enhardit. Par les moires. Il a poussé ma sœur, la grande prêtresse, à s'enfermer dans ses quartiers. Un chef du culte a dû intervenir pour que ses membres tentent de tuer un personnage aussi connu. Nous n'avons pas affaire aux cafards habituels. Ma sœur m'a demandé de protéger Cythère du culte et de démasquer l'adepte qui veut sa mort. Ça peut réussir. Ta sœur est intelligente. Sa méthode laisse à désirer. J'ai failli me faire tuer. C'est regrettable, mais son idée reste bonne. Alors aide-nous à protéger Cythère et à démasquer l'ennemi. Par les moires, tu as vu ce qui s'est passé. Je n'y parviendrai jamais seule. Protéger Cythère ? Je coûte cher, tu sais. Tu es bien une Mystios. Le culte a dressé des projets pour le monde grec. Grâce à mes dons, je sais ce qu'il compte faire et où il va agir. J'imagine que de telles informations te seraient utiles. Mais si ça ne suffit pas à te satisfaire, je le ferai. Eh bien, cela fait un moment que je n'ai pas... communié avec les dieux ? Ne t'en fais pas. Tu toucheras aussi des drachmes pour tes services. Tu as un grand talent pour négocier. Bon, que faut-il que je fasse ? Trois tâches extrêmement simples. Avant tout, mon associé au port a besoin d'aide. Va le voir. Quoi d'autre ? Ma sœur soupçonne une trahison dans nos rangs. Si elle a raison, elle aura besoin de toi. Va la voir au temple. Enfin, les prêtresses affectionnent les lames empoisonnées. Mais des bandits ont volé nos apothicaires et se sont réfugiés dans les ruines mycéniennes. Quand ce n'est pas le culte, ce sont les bandits. Récupère nos fioles de poison. Elles nous seront utiles pour affronter le culte. Ton associé, où vais-je le trouver ? Demande à voir un certain capitaine à la taverne du port de Scandeia. C'est l'ivrogne agaçant. Le temple, où est-il ? Au guet d'Aphrodite, au sommet de la colline.
Tu y trouveras la grande prêtresse, réfugiée dans ces quartiers. Comment rejoint-on les ruines ? Les ruines mycéniennes sont au sud de la ville, au nord de la baie de Scandeia. Les fioles de poison devraient être dans un sac. Il sera probablement dans un coffre, parmi les ruines. Fais-y très attention. Je ferai ce que je pourrai pour Citer et pour toi. Merci, Mystios. Peut-être que, quand tout sera fini, nous pourrons nous détendre ensemble. Une chose à la fois, Diona. À plus tard. Méfie-toi des moires. Ce message est destiné à la grande prêtresse. Il faut que j'aille lui en parler.